Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Comme tu peux le voir, je ne suis absolument pas chez moi, parce que c'est tout simplement le temps, je pense, et carrément le bon moment d'aller faire une petite visite. Et j'imagine que tu vois un petit peu le décor en arrière de moi, donc c'est sûr que tu te doutes de ce que c'est. En plus, t'as vu le titre de toute façon sur la vidéo, hein. Il n'y a pas vraiment de mystère. Mais peu importe, la visite commence maintenant, et le sujet, c'est ça.
voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette visite de l'école primaire qui est aussi l'école dans laquelle je travaille, puisque de toute façon, d'ailleurs, tu l'as vu dans la vidéo, on voit mon bureau à un moment donné, donc c'est pas réellement un mystère. Une école primaire qui ressemble pas mal, je te dirais, de toute façon, à toutes les écoles primaires qu'on peut trouver à travers le monde. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, certaines choses qui se ressemblent pas, c'est normal. On est ici en Amérique du Nord, au Québec. Il faut que tu saches aussi que l'école que je t'ai présentée, eh ben, pas mal, toutes les écoles ici au Québec se ressemblent. Il y a peut-être deux, trois détails qui vont changer, mais grosso modo, c'est à ça à quoi tu peux t'attendre. Je sais que c'est une vidéo qui est peut-être importante pour certaines personnes. Il y a des familles qui vont immigrer incessamment sous peu au Québec. Il y a des enfants qui sont peut-être un petit peu stressés dans ces familles-là, à savoir où est-ce qu'ils vont se retrouver. Donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé un petit peu à enlever ce stress. Tu vois que c'est pas si terrible que ça. Dans la vidéo, t'auras pu le remarquer, il y a une entrée du service de garde. Voilà, c'est principalement par là en fait que tu rentres pour amener tes enfants. Je suis obligé de changer de bras, mon bras est en train de mourir. Petit détail technique. Bref, c'est ça, l'entrée des enfants. Principalement, c'est par là que tu rentres, que tu amènes ton enfant par le service de garde. Hormis, si bien sûr il est en retard à ce moment-là, c'est par le secrétariat. Donc c'est vraiment la porte du service de garde par laquelle tu passes tout le temps pour amener ton enfant, si tu l'amènes pas directement sur la course, qui est aussi possible pour certaines écoles. Donc voilà, j'espère que ça t'a relevé un petit peu de stress si tu vas regarder cette vidéo-là. J'ai fait cette vidéo-là, tu l'auras remarqué, je suis tout seul parce que c'est la semaine de relâche. Alors ça tombe super bien, je me suis dit pourquoi pas. En fait, il y a une journée où, qui est aujourd'hui, où j'ai tourné la vidéo, où j'étais tout seul, parce que moi je travaille quand même. Et je me suis dit, bon ben voilà, on va en profiter pendant les heures de pause, tourner une petite vidéo et faire une petite visite de cette école-là, ce que tu as pu voir. Si tu te demandes ce qu'est la semaine de relâche, je te renvoie à la vidéo juste avant que j'ai faite, où j'explique exactement ce qu'est la semaine de relâche. Après, pour le reste, c'est comme d'habitude, on va faire la conclusion, si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir, tu peux laisser des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires, bien entendu, un petit pouce bleu. Parce que ça fait toujours plaisir. Le compte Instagram qui existe toujours. Peut-être que je vais essayer d'y mettre une petite photo d'école juste avant la vidéo ou pendant la vidéo, juste pour agrémenter. Peut-être, je sais pas. On verra. Et puis, des fois je dis n'importe quoi. Désolé, je sais même pas ce que je vais faire. Et puis, on se dit à la revoyure. Ciao. Bye.